Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'On n'est pas des moutons. Ce mois-ci, nous allons parler de l'accès des jeunes à la culture. Est-ce qu'il est facile pour eux d'accéder à des activités, des services ou des événements culturels? Et comment font-ils pour être acteurs de l'activité culturelle locale? C'est ce que nous allons voir tout au long de l'émission, avec un reportage sur le prix jeunesse du Festival européen du film court décerné par les élèves du lycée Jules Lesven à Brest. Nous ferons ensuite un focus sur le service culturel de l'UBO pour voir ce qu'il propose aux étudiants de l'université. Et enfin, nous suivrons les jeunes reporters qui couvraient l'édition 2021 du Festival Invisible à Brest. Mais tout de suite, on retrouve Lisa pour une petite introduction. Salut à tous et à toutes. Depuis le premier confinement, on a tous et toutes réalisé qu'un bon accès à la culture, qu'elle soit musicale, littéraire, cinématographique ou encore patrimoniale, est primordial pour notre bien-être et notre développement personnel, notamment quand on est jeune. En effet, c'est en se forgeant une culture très tôt que l'on peut apprendre à se connaître, à développer ses centres d'intérêt et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. On entend souvent que les jeunes ne s'investissent plus dans les activités culturelles, mais est-ce vraiment le cas ? On a questionné 260 jeunes de moins de 25 ans. 53% d'entre elles affirment que la culture occupe une place importante dans leur vie, en précisant que la musique compte beaucoup pour elles au quotidien. Cependant, pour 71% de ces jeunes, le manque d'argent est une des causes les empêchant de réaliser davantage d'activités culturelles. Pour pallier à cela, différents systèmes ont été mis en place, à l'instar du Pass Culture, créé par le ministère de la Culture. Il est ouvert à tous les jeunes de 18 ans résidant en France métropolitaine ou d'outre-mer. Yale ont accès à une application sur laquelle Yale dispose d'une somme de 300 euros. Elle permet de profiter des activités culturelles et des offres numériques proposées par le Pass, telles que des livres, des mangas ou encore des places de concert ou de cinéma. Encore trop méconnue par la majorité de nos sondés, 81% d'entre elles considèrent toutefois que c'est une bonne initiative pour les jeunes. Une bonne occasion aussi de découvrir la vie culturelle de son territoire. À l'échelle locale, d'autres dispositifs d'accès à la culture sont mis en place. Je vous laisse en découvrir quelques-uns avec Julie et Noriane. Direction maintenant le Festival européen du film court de Brest. Cette année, un nouveau prix a été mis en place pour permettre aux jeunes d'élire leurs films préférés. Nous les avons rencontrés lors d'une séance de travail au Macorlan. C'est un tout nouveau prix qui faisait son entrée cette année au Festival européen du film court de Brest. Décerné par les élèves de l'option cinéma du lycée Jules Lesven à Brest, le prix jeunesse se penchait sur le premier film et film d'école diffusé sur la compétition française. Bah, ça se passe plutôt bien en fait. On travaille avec une réalisatrice qui s'appelle F. Schems de Brouwer et elle nous a donné plusieurs critères sur lesquels se baser pour notre analyse, notre étude des courts-métrages. Ça va être sur la qualité des images, le script, le jeu d'acteur, la forme. Surtout que cette année, il y a un prix d'interprétation. J'ai pas trop compris comment justement le personnage il ouvre la fenêtre. Et ensuite au plan d'après, on voit les parents dans le salon, mais on voit qu'il s'est rien passé. Du coup c'est ce moment-là que j'ai pas trop compris. Il ouvre la fenêtre, moi je m'attendais à qu'il y ait l'autre qui rentre partout. On peut pas dire juste si on a aimé ou si on n'a pas aimé, on est obligé d'argumenter en donnant au moins quelques points positifs, quelques qualités qu'a eu le film. Ça se passe plutôt bien, on arrive à bien débattre. En fait, on a un bon groupe, on s'entend tous bien, donc au final, la communication, elle est parfaite. Donc au final, c'est super, on s'entend tous bien. Ce prix, c'est aussi le moyen de recueillir des impressions nouvelles sur le cinéma actuel et sur les thématiques qu'il traite. En fait, notre point de vue, il compte. Donc, du coup, franchement, c'est super génial, on se sent écouté. Et aussi qu'on a un autre avis par rapport aux professionnels. Je trouve ça intéressant de pouvoir partager son point de vue, qu'il soit vu au grand public et pas juste en parler entre amis. Le regard d'un jeune est différent du regard d'un adulte. Ils peuvent très bien avoir les mêmes avis, comme des avis différents. Et surtout qu'on remarque quand même que dans les courts-métrages, c'est souvent des acteurs jeunes, des réalisateurs, des réalisatrices jeunes aussi. Et les thèmes abordés font vraiment écho en nous. Et donc ouais, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est une bonne opportunité, et surtout d'avoir les échanges avec les réalisateurs et de voir comment ils voient la chose et de voir que souvent on a un point de vue différent et donc c'est hyper intéressant et voilà, de se plonger dans le monde du cinéma. Le service culturel de l'UBO a pour vocation de faire vivre la culture au sein du campus. Pour cela, l'équipe met en place une programmation à destination des étudiants. Elle favorise la création et facilite l'accès aux pratiques et aux événements culturels. On les retrouve tout de suite pour plus d'explications.
Bonjour, je m'appelle Lucille Pontecouteau, je suis salariée du service culturel de l'UBO et je vais vous parler des avantages du service pour les étudiants et les étudiantes. Alors le service culturel de l'UBO, c'est d'abord un service qui vous propose des tarifs pour différents lieux culturels brestois. Tout d'abord le cinéma, les musées, les salles de spectacle. C'est aussi un lieu en fait, qui vous propose différents ateliers de pratiques artistiques, donc, que ce soit du spectacle vivant, donc comme de la danse, du théâtre, du cirque par exemple, de la musique, ou aussi des ateliers photographie, et ainsi qu'une programmation à l'année, donc que ce soit de concerts ou de ciné-club par exemple, et des expositions d'art contemporain aux abords. Si vous voulez, je vous propose qu'on regarde ensemble deux aspects de ce que propose le service culturel. Je m'appelle Lilou. Je suis en deuxième année de LEA à Brest, à l'UBO, et en même temps je suis élève au conservatoire de Brest. Et donc j'ai le statut d'artiste de haut niveau avec la fac pour pouvoir allier les deux, en fait allier mes études au conservatoire et allier mes études à la fac. Donc je vais à la fac jusqu'à 14h environ, des fois moins, des fois plus, mais et après l'après-midi je vais à la danse jusqu'au soir. Du coup on peut à la fois être à la fac, du coup avoir des études et à la fois travailler dans notre milieu artistique, et du coup c'est vrai que ça nous permet d'allier les deux. Donc c'est vrai que là je peux avoir un accès à la fois à mes études et un accès à la fois à la culture. Du coup on est composé de culture, je pense, parce que rien que de voir, enfin pour moi, voir quelqu'un marcher dans la rue, ou ça m'inspire quelque chose, et je pense que oui, l'art c'est quelque chose qui est essentiel. Bienvenue à l'atelier Surface Sensible, organisé par le service culturel et encadré par Nicolas Ergouache, qui enseigne à ceux qui souhaitent des techniques anciennes et alternatives pour faire de la photographie. C'est plutôt destiné à des personnes qui n'en ont jamais fait ou qui débutent. On a fabriqué notre appareil photo, donc avec une boîte de thé. Et aujourd'hui, on s'attelait plus à la photo argentique classique avec des appareils jetables. Et donc ça sert à lire, à référencer notre planche de négatif, et puis aussi après à faire des choix, on va faire des choix. Après, une fois que ça sera sec, vous allez choisir dans ces images ce qui vous semble intéressant, de choisir au moins 4 ou 5 sur cette planche-là. C'est mieux d'être encadré, parce que c'est beaucoup. Enfin, on aurait pu le faire nous-mêmes de notre côté, mais avec beaucoup d'échecs, beaucoup de temps à réfléchir, à comprendre ce qui se passe. J'aime beaucoup la photo. Après, nous, on est aussi en formation image et son. Donc ça fait partie aussi un peu de... Enfin, ça peut nous apporter beaucoup pour notre formation, pour ce qu'on va faire plus tard. Mais moi, personnellement, c'est parce que j'aime beaucoup la photo et que j'avais envie d'apprendre cette pratique. Alors, vous pouvez nous retrouver tout d'abord au bureau du service culturel, donc qui se trouve à l'intérieur du rue Armène. Et aussi sur les réseaux sociaux, donc il y a un Facebook et sur le site internet du service culturel de l'UBO. Donc n'hésitez pas à passer au service culturel de l'UBO, on sera toujours contente de vous recevoir et de vous parler des différents bons plans. Du 16 au 20 novembre dernier se tenait la 16e édition du Festival Invisible à Brest. Comme chaque année, un groupe de jeunes reporters était sur place pour nous présenter les coulisses ainsi qu'interviewer les artistes du festival. Il s'agit de l'équipe du journal Invisible que Wael est allé rencontrer. Bonjour à tous, on est à Passerelle, au Centre d'Art Contemporain, et nous allons interviewer des jeunes sur l'accès à la culture pendant le Festival Invisible. Vous me suivez ? Bonjour Agnès. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Moi c'est Agnès, bienvenue. On est à Passerelle, donc le Centre d'Art Contemporain. Le projet du festival, donc, c'est la 16e édition. En fait, les deux fondateurs, Arnaud et Maëlle Le Gouet-Fleck, initialement il y a 16 ans, du coup, ce qu'ils voulaient faire avec ce festival, c'était faire venir des artistes, mais qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir voir à Brest, parce que voilà, c'est une ville qui est un peu loin. En quoi l'événement est un accès à la culture pour les jeunes ? Alors, l'événement est un accès à la culture pour les jeunes pour plusieurs raisons. On propose un spectacle jeune public qui mêle musique et art visuel justement
Mais on invite aussi des jeunes, notamment des adolescents, à venir interviewer les artistes et du coup découvrir aussi le métier de journaliste. On invite Kristen Falron, qui travaille souvent pour Canal Tizef, à mener du coup cet atelier d'éducation à l'image. Et puis eux, leur intérêt, c'est aussi de pouvoir découvrir aussi comment ça s'organise un festival et peut-être leur donner envie de participer à la vie culturelle locale aussi plus tard et peut-être même travailler avec eux, qui sait. On est arrivé ici, on a écrit des questions, puis on a rencontré les artistes et donc on les a interviewés. Ça permet de découvrir un peu tout ce qui est audiovisuel. Dans le micro, on entend des choses, des bruits derrière. Moi, j'ai posé des questions du coup aux artistes et ça permet de prendre un peu plus confiance en soi, en ce qui permet de prendre la parole et d'être un peu plus du coup ouverte d'esprit pour parler et tout. Au début, j'étais un peu gênée, stressée parce que j'ai pas l'habitude. Pour les soirées dansantes. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est ça, apprendre de nouvelles choses, apprendre les nouveaux instruments. J'ai bien aimé le film. Et on a fait une visite du lieu et on a assisté au spectacle. C'est la fin de cette émission. On espère que ça vous a plu et puis on vous laisse pour la suite. À bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Quant à moi, c'est ma dernière émission. Ça a été un vrai plaisir pour moi de les animer ces dernières années. Je vous souhaite à tous plein de belles choses. Un grand merci à toute l'équipe qui est derrière. Et qui sait, peut-être à bientôt. Au revoir.